Le lundi 23 novembre, les migrants installés place de la République à Paris sont brutalement délogés avec leur soutien et les journalistes présents. Le lendemain, le mardi 24, c'est le vote en première lecture de la proposition de loi sécurité globale. Aussi, le même jour, la défenseuse des droits, Claire Hédon, demande des sanctions administratives en plus des poursuites judiciaires dans le cadre de l'affaire Théo. Ce jeune homme violé par un coup de matraque lors d'une interpellation. Le jour d'après, mercredi, l'État est reconnu responsable d'une blessure par LBD à Lyon. C'est une première. Le jeudi 26, c'est la diffusion du tabassage du producteur Michel Seclair avec cet enchaînement de violences et d'attitudes policières incroyables. Le samedi, c'est la... deuxième journée nationale, massive contre la proposition de loi sécurité globale, autour de 500 000 manifestants, avec son lot de blessures et d'interpellations. Oh!
l'éducation, à la culture. Il faut lier la nécessaire lutte pour l'égalité et la lutte contre le sécuritaire. La lutte pour l'égalité et la lutte contre le sécuritaire, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ça regarde tout le monde. Plus de sécurité sociale, pas de loi de sécurité globale. Ouais ouais.